Coucou les coucous, de retour à notre deuxième recording session de We Were Here Together. Il a fallu recommencer le puzzle. I cannot escape. Et on a juste refait qu'est-ce qu'on avait fait. Il nous manque encore les peintures qu'on... J'ai fait le mieux que je pouvais pour me rendre où ce qu'on était rendu, mais c'est toujours pas résolu. J'ai brute-forcé le puzzle qui est ici, que j'ai toujours pas compris, mais il se fait bien tout seul, pour une raison bizarre. Et l'horloge grand-père. Allô, horloge grand-père, c'est avec ça qu'on va commencer. Parfait! Ah oui, Frank est là aussi. As usual. Sure, meuble. Alors, aussi les puzzles ont randomisé, fait que si vous voyez que les trucs ont de l'air différent la dernière fois... Oui, donc le sablier qui est en bas à gauche ici, il est en bas à droite avant. La boîte à musique était du côté gauche, elle est à droite. Le globe terrestre qui était dans le coin sur la chaise là-bas était ici. Puis moi aussi, j'ai des choses qui étaient randomisées de mon côté. Fait que l'horloge grand-père. Là. On commence par les cylindres derrière la pendule. Laisse-moi les pogner. Alright. Oui, en bas, milieu. Non, en bas, en haut, milieu. En partant en de la gauche. Milieu. Ok. Coucou. Parfait. Quand le truc sort, fait coucou. Il est assis. Il est assis? Ouais. Puis je vais faire. Peux-tu me faire le tic-tac de la vitesse de la pendule? Tic-toc. 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 Je pense que c'est le milieu, là. Ouais. T'as-tu un bouton pour essayer d'ouvrir la porte, toi? Ou... Ouais, c'est le bain que t'entends, c'est Ouais, mais je me demandais si moi je pouvais essayer de faire de quoi en même temps. Ou... Oh, ouais. Alors, je confirme que c'est exactement identique. Et on peut pas ouvrir la pendule. Okay. Sinon, il y a les plaquettes sur le côté. Ouais. Donc, la plaquette du haut, il y a quatre coches comme moi. Quatre coches. La plaquette du milieu, il y a six coches. Oh! As-tu un bouton au centre de la plaquette? Non, j'ai pas de bouton au centre de la plaquette. C'est non-interactable pour moi, cette affaire-là. Mais, vas-tu pareil un truc rond qui aurait pu avoir une flèche à une époque quelconque pis qu'il n'y en a pas? Ben c'est ça, c'est les traces foncées que je te disais là. Ouais. Ils pointent toutes vers le haut. Ben moi aussi, ils ont toutes une trace foncée qui pointe vers le haut. Ok. Peux-tu la faire bouger la flèche toi? Moi je peux choisir. Fais-moi le puzzle, c'est faut que je choisisse les quatre dials, les trois dials. Puis que je pèse le bouton. Ok, peux-tu bouger un dial s'il te plaît? Je l'ai fait. Lequel? Celui du haut. Pis là, il est... Tu l'as placé à quelle position? 2. 2. Peux-tu le placer au 1? Il est au 1. Ok, y a rien qui bouge de mon côté. Fac. 4. 6. 3. Pis j'ai un anneau en bas aussi. Oui, et l'anneau, c'est le bouton. Ok. Ça m'attire mon attention. Pas de l'air important. Il est. Ok, chose niaiseuse qu'on aurait pu checker. Il est quelle heure c'est ton horloge? Il est 9h pile. Ok, moi aussi. Alright. Fait qu'il y a des plaquettes. Je vais faire un tour de pièces, voir si je pourrais pas trouver quelque chose. Parfait. Parce que je vois pas grand chose du fait que je suis. Il y a pas grand chose qui m'apporte de l'attention, qui m'attire mon attention. Peux-tu me dire quand t'entends le coucou? Ok. Il va avoir une fraction de délai. Parce que coucou. Coucou. Toujours deux fois.
On entend-tu à peu près en même temps? Non, on est... On n'a pas le même tempo. Peut-être que c'est ça. Coucou. Merci. Coucou. Peux-tu tout mettre genre à 1, les 3, voir si le tempo va changer? C'est ce que je viens d'essayer. Ok. Puis après ça, on essaiera l'autre. Ça devrait pas tarder. Coucou. Coucou. Faire du parcours. Coucou. Ok. Coucou. Ça change pas le tempo dépendant de quel je choisis. C'est choquant ça. Je suis choqué et je suis outré. Alright. Fait que toi, t'as 3 dials qui étaient setés en haut par défaut. Y'a quelque chose que je comprends pas. Ok. Tu peux setter le dial en cliquant dessus, toi, les 3. Ouais. Puis après ça, c'est quand tu pèses le bouton en bas, ça l'essaie d'ouvrir la porte. Ouais. Fait intéressant à savoir, le bouton du haut. Yeah. La position 1 puis la position 4 sont identiques. Qu'est-ce que tu veux dire par identique? Ben, les trois. Le cylindre du haut. Le bouton du haut change mes cylindres derrière la pendule. Ok. Puis la position 1, celui de gauche est en bas. Celui du centre est en haut, puis celui de droite est au centre. Ok, fait... La position 4, c'est identique, il y a les mêmes positions de cylindres. Fait que dans le fond, quand je te dis c'est quoi la position des cylindres, t'as deux options possibles. Ouais. Alright. C'était quoi l'autre truc qu'on peut faire, le tic-tac? Le tic-tac, c'est le troisième du bas, right? Parce qu'il y a juste 3 tempos, je pense. Oh, la position 1, puis la position 4. Ouais. Change le bruit du toc de la pendule. Ah, c'est vrai, on avait oublié ça. La position 1 a un bruit de toc. La position 2 a un bruit de tic. La position 3, c'est plus comme... c'est aussi un tic. La position 4, c'est un bruit très lourd, comme... Non, il est pas très lourd, c'est... Fait que dans le fond, ben, c'est 1 ou 4 là, qu'on doit avoir, là. Ça change les cylindres et le bruit, si j'ai bien compris? Ouais. Ok. Fait que peux-tu me dire c'est... Ben, peux-tu essayer de m'imimiquer, s'il te plaît? Ça en note, idéalement. Toc, toc, toc. Ok, l'autre? Qui est plus le quatrième est plus comme muet puis lourd, tandis que le 1 qui est plus il est un peu plus comme franc. Ok. Peux-tu m'aller vers le plus aigu, s'il te plaît? Ouais. Et mimique-moi ça. Tic tic tic. J'irai avec lui. Ok. Alright, fait que c'est ça, le troisième, ben c'est quoi le troisième dial d'abord? La vitesse. Fait que là, c'est ça, diminue. Pis là, qu'est-ce qu'il nous reste? Nope, ça a pas fonctionné. La position du gâchis. Il y a les deux. Vas-y. Il y a les mains à côté, il est assis, il y a les pieds qui pendent en bas du pendule.
son chapeau de jester. Une seconde, je vais toucher. Sniping tool. Allez, ressort mon tipit. Ça vient d'ouvrir? Ouais, je l'ai eu. You cheated! T'as-tu compris? T'as-tu bien compris ou? C'est ce qu'on faisait, mais pour une raison obscure, les cylindres derrière étaient pas importants. Leur position, c'était juste le bruit qui était important. C'est ça, je me disais. Alright, peinture time. Parfait. Fait que d'après moi, tout le gros truc de la peinture, c'est celui qui manque dans l'escalier. Il y en a un que t'as pas. Fait que je vais mettre celui qui a des writings dedans. À la place. Non, ok, ça a rien changé. Donc. À vrai dire, toi, tu vois toutes les peintures en ce moment, right? Ouais. Fait que peux-tu me guider où ce qu'ils sont toutes à partir d'un endroit que tu choisis? On part de la porte d'entrée. Ok, en bas. Il y a la peinture avec le gars et de l'écriture. Ça, c'est au-dessus du... de la plaque. La plaque, okay. Exactement. Alright, je vais te laisser là. Next up. Moi, j'ai un petit balcon quand je rentre, puis je descends deux marches. Yep. Il y a une peinture à terre. Yep. Il y a une peinture sur le chevalet. Ouais, fait que la peinture à terre, c'est l'oiseau avec un seul bec. Ouais. La peinture sur le chevalet, c'est le... Le lapin podcast. Le lapin podcast, ouais. Ensuite, on marche vers l'escalier. Ouais, c'est le lapin avec le casque. Lapin avec le casque. Après ça, il y a ta peinture à toi. Ouais. Il y a un trou pour moi qui a pas de peinture. Wow, on a skippé un, là. Non. Fait qu'en bas des marches, il y a le lapin avec le casque. Ouais. Après ça, il y a ta peinture à toi. Ouais. Encore dans les marches. Encore dans les marches. À ta gauche. Il y a rien d'autre. Toi, je te prends. Oh, ok. On l'a eu. Fait qu'il y avait rien ici. On l'a eu? On l'a eu, ouais, mais là... Moi, il y avait un livre derrière. Oui, mais là, on a tous les livres, on a fait tous nos puzzles qu'on pense avoir fait. À côté du foyer, on peut déposer les livres dans la bibliothèque. Oh, ok. Fait qu'il faut probablement écrire qu'est-ce qui est écrit sur nos peintures ou sur la peinture de l'autre. Probablement la peinture de l'autre. Ouais. Toi, c'était espion? Moi, c'est espion. E-S-P-I-A-N. E-S-P-I-A-N. Puis moi, c'est... N-E-P? N-E-P? I-A-S. I-A-S. Mais je vais aller dans le sol. Ok, en tout cas, je suis retourné dans une pièce où ce que j'étais tantôt. Le premier puzzle de quand on est rentré dans... quand on s'est splitté. Ouh, ça va laguer, ça. Oh! Il y a quelqu'un qui chante. Je vois le jester. Moi, je suis arrivé au... Il chante aussi, là, fait que j'écoute à moitié, là. My God, il en chante un bout. Alright,
Moi, il continue, là. Je vais le lire de façon un peu abstraite. Je t'interromps peut-être s'il y a de quoi qui vaut la peine. J'ai des livres avec des plantes. Un livre avec une mandragore. Un livre avec un champignon. Puis j'ai un tableau. Oh. Avec un paquet de deux lettres qui pointent, genre avec un espèce d'arbre généalogique. Puis je peux sélectionner des lettres sur le tableau. Il a arrêté de chanter. Moi, checker. Il est-tu juste disparu? Yeah, man, la lumière s'est fermée puis il a fade away. Single frame. Alright. Ça parlait de mon final hour, tatati, tatata, on va probablement tous mourir. Oh non! Blob, blob. Blob, blob. Zap, zap. Ok. Fait que c'est ça, j'ai trois parchemins. Un avec des mandragores, un avec des plantes qui ont de l'air... plus normal, on va dire. Un avec des champignons, puis j'ai le tableau. Ok. Moi, j'ai les deux lettres. Avec, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Comme OH veut dire Oglyrotorp. Je sais pas. OH, Oglyrotorp, ok. Fait que là, j'ai comme 15 différents mots comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 que je vois. Ah, pis j'en ai un qui est... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. T'en as 15? Je vais recalculer. 15. Ok, moi j'en ai 17, mais j'ai un 18e spot, ce qui a de quoi d'effacer. Ok. Est-ce quelque chose qui se passe de ton côté, j'imagine non? Sinon, j'ai des potions. Ok. Ok, continue, j'ai encore quelque chose à te dire. J'ai deux mixeurs. J'ai des machines que je peux mettre trois trucs au centre de la machine. J'en ai deux comme ça, c'est comme une fournaise que je mets trois power source dedans. Ok. Peux-tu... T'as dit que OH, ça voulait dire quoi? OH veut dire... Oglyrotorp. O-G-L-I-R-O-T-H-O-R-P. Oxylurobat, Oliomina, Oxygumorexis. Ouais, ça c'est toutes des choses que j'ai. Ok, mais celui que tu m'as dit, je le trouve pas. Like, Oxylurobat, c'est O-L. Oxyluoroborat. Ouais. Oxymorxorat, Oxymuratoroxis, Oxymurat. Ok. Aliomina. En tout cas, c'est ça. Fait que j'ai ça ici. Sur mon tableau. Je l'ai pas. Sur mon tableau, il y a une gemme. Oh! T'as-tu quelque chose qui fait OL? OL. Oui, OL, c'est le Oxyliorobat. Roborat. Oxyliorobat. Ok, c'est pas ce que je pensais. Bref. T'as-tu. C'est un P ou un D, ça? Ça, c'est un P. Un PE. P. Oui, le. Pristax Ziforex. Xiophilirex. Pristax. Pristax. Ziforex. Ok, c'est beau, je l'ai. Ok. T'as-tu des plantes en quelque part? Ou j'ai des potions qui ont des icônes de plantes dessus. Ok. Trouve ceux qui ressemblent à des gousses d'ail. Gousses d'ail. Tourne. Ouais, je l'ai. T'en as-tu une qui est en dessous de la gousse? C'est un X. J'ai juste une potion qui ressemble à des gosses d'ail. Est-ce que c'est avec une espèce de queue qui sort d'en dessous? Je viens de la prendre. La queue est au-dessus. La queue est au-dessus? Non, pas la tige. Il y a comme la gousse d'ail, puis il y a comme le cul. Il y a de quoi qui en sort? Non. Checker mes champignons. Oh! Ok, ah, oh, ok. Ok, ça c'est des crustacés aussi. Ouais, j'ai des crustacés. J'en ai ça aussi. Ouais, j'ai comme. Ok, ça c'est pas des gousses d'ail. Tu as quelque chose qui ressemble à une gousse d'ail ici? Non. Alright, tant pis.
Redépose ça. Ouais. Parce que là, c'est ça. Imagine l'arbre généalogique, là. Okay. Fait que moi, j'ai un PE et un FR. Puis là, il y a les deux flèches qui partent, puis ça pointe vers un DB. Puis là, il y a le DB avec le OX qui pointe vers AM. Le OX avec le chose qui est effacée pointe vers un PO. Après ça, tu mélanges le AM et le PO, ça monte vers un PF. Puis après ça, ça monte, le PF monte encore, puis là, il y a tout le deux tiers du tableau que je t'ai pas dit qui pointe vers une gemme. Ok, fait il faut que tu. On figure out chacun. Je peux mélanger des potions deux par deux. Ok. Keep that thought. Au revoir. Et à bientôt.